Le Boulet, c'est un film personnellement que j'adore puisqu'il vient d'une époque où on faisait plein de comédies d'action comme ça avec des budgets en plus assez importants et on n'y arrivait pas, on faisait n'importe quoi nous les Français, et je trouve que là dans Le Boulet ça fonctionne un petit peu, le côté comédie d'action. C'est un film avec un duo qui lui fonctionne aussi, Benoît Poulvorde et Gérard Lanvin. On va recycler un petit peu le concept du mec très débile et de l'autre très énervé, et ça fait un duo qui fait un petit peu des étincelles dans un film qui raconte l'histoire d'un prisonnier qui joue au loto tous les week-ends, toutes les semaines plutôt, mais il demande à son maton de jouer pour lui et un jour il a les bons numéros et là en même temps le maton disparaît. C'est Gérard Lanvin qui joue le rôle du prisonnier qui va s'évader de prison pour aller retrouver le maton Benoît Poulvorde qui a perdu le ticket en fait, c'est pour ça qu'il a disparu, et ils vont partir le chercher tous les deux au bout du monde pourrait-on dire, ou en tout cas en Afrique. Donc on voyage, on a des bonnes scènes d'action, il y a une scène d'évasion de prison avec une 406 coupée conduite par Gérard Lanvin qui est techniquement assez bien faite pour l'époque. Il y a beaucoup d'humour, il y a José Garcia qui est dans le film aussi, il y a Omar Sy qui fait un petit rôle qui fait beaucoup rigoler. Franchement, Le Boulet, j'aime toujours le regarder, je le trouve toujours aussi cool, c'est un petit film très simple.